Bonjour, bonjour. De la part de la Fédération panaméricaine du badminton, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue à notre programme Coach Corner. Mon nom est Adrian Gomez et c'est mon plaisir d'être le modérateur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir une des gestionnaires les plus emblématiques de son pays. Je parle de Oscar Orellana de El Salvador, qui vient à Coach Corner pour nous parler d'un sujet très intéressant. Je parle de le développement du badminton à El Salvador, son pays. Je vais faire, avant de commencer, je vais faire un petit sommaire de son parcours professionnel. Oscar est un économiste. Il est administrateur de la Fédération de Salvador de badminton depuis janvier 2022. Il est aussi directeur de l'événement Panam Individual Championships El Salvador 2022. Et actuellement, il est directeur des badminton pour les prochains Jeux Centro-Américains et Caraïbes El Salvador 2023. Bonsoir Oscar, bienvenue à notre programme. Merci de nous accueillir chez vous à El Salvador. Et nous vous invitons à prendre contrôle de l'écran et de commencer votre présentation. Merci. Bonjour, oui, j'espère que tout le monde va bien. C'est pour moi un honneur d'être ici à Coach Corner. Je remercie à Paname de cette opportunité et j'espère que la pratique qu'on a fait, c'est quelque chose qui va être une. Quelque chose qui va aider à quelqu'un à aussi à continuer leur développement, qui s'apprend de nos erreurs. Je crois que Coach Corner, c'est un outil très important pour cela. Un espace pour parler d'une façon ouverte entre amis et ce dialogue qui c'est le plus important. Je crois que c'est au moins quelque chose qui nous a laissé la pandémie. Cette opportunité de chatter aussi, de parler et dialoguer. Pour moi, c'est vraiment une honneur. Et donc, avant tout, je voudrais vous commenter que nous, en tant que fédération, sommes une fédération assez jeune. Excusez-moi, je suis en train de regarder quelque chose au lit. Avant tout, pour commencer cette présentation, et de vous commenter que nous sommes une fédération assez jeune en comparaison d'une quelconque autre fédération d'un autre pays. Nous avons 22 ans. Nous avons commencé à l'année 2000 pour la participation de la Fédération d'un échec panaméricaine cette année. Et notre histoire est. Nous avons développé, nous avons trouvé notre place parmi toutes les autres fédérations. Nous avons participé dans les Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires 2018. Nous avons eu la médaille d'argent dans le singles homme et double mixte pour les Jeux panaméricains Junior Calibay 2021. Médaille de bronze récemment pour les singles homme pour les Panam Individual Championships 2022 à El Salvador. Et ainsi qu'une médaille d'or individuel single homme, médaille d'argent double homme et médaille de bronze double femme. Et ainsi qu'une médaille d'argent double mix dans les Jeux Bolivarianos de Valle du Par 2022. Je vous conseille de regarder ces résultats comme j'ai vu qu'ils sont au fur et à mesure de ces 5 ans. Et surtout, nous avons vu tous les résultats de notre travail et de tout notre projet de fédération qui a commencé il y a longtemps, c'est beaucoup de travail.
Alors pour commencer, comment notre fédération fait, je crois que c'est à peu près les mêmes que pour les autres pays. Nous avons à peu près la même structure. Et je les mets dans un ordre hiérarchique parce que nous avons une assemblée générale qui s'est composée des athlètes fédérés et des pères des familles, des parents, qui représentent surtout les athlètes qui sont mineurs. Ce sont ces personnes qui prennent les décisions, qui font les motions pour approuver la gestion. Et donc, quoi qu'il soit, je peux dire qu'ils sont mes chefs. À mesure possible, nous avons des communications qui me permettraient de le permettre à faire ce qu'il veut faire. Et surtout avec les professionnalismes qu'il mérite. Et de passer à la prochaine étape de leur vie professionnelle. Et donc, notre fédération est composée par un président, une trésorière, un secrétaire et un premier directeur. Et donc, ils sont les leaders. Des personnes qui aident avec la gestion, les finances, la partie sportive, de regarder, réguler tout. Et donc, c'est pratiquement avec ceux que nous avons ces propositions de ce qu'on peut faire, non, lors de l'Assemblée générale. Et après, mais aussi important, c'est le personnel technique et administratif, que dans ce cas, c'est, vous connaissez René, qui c'est notre directeur technique. Et généralement, nous ne considérons pas une technique comme une gestion. C'est bon, une terminologie qu'on appelle qui sont nos homologues dans la même gestion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la fédération à continuer à se développer? Nous avons plusieurs stakeholders, parties intéressées aussi. Ce sont nos alliés qui sont toujours avec nous chaque année. Donc, nous savons INDES, c'est la régulation de notre sport dans notre pays. Et géré par les INDES. Et ça inclut toutes les dépenses personnelles. Ce sont toute la formation, le développement, etc. Après, nous avons les comités olympiques. La même logique que ce monde dans tous les pays. Oui, cela aide avec la massification du sport en général. Et ce sont les comités olympiques qui gèrent tous les athlètes qui font leur meilleur effort pour obtenir des médailles dans tous les événements. Après, nous avons Badminton Paname. Que pour moi, c'était un allié qui nous a permis de nous a donné beaucoup de subtils, beaucoup de opportunités aussi de faire des choses. Le badminton Paname dans la fédération, c'était quelque chose de très important. Avec les alliés, partenaires nationaux, les institutions et les choses que nous n'aurons pas à gérer, et parmi ton Paname, et
apporter bon, de leur côté pour nous aider à continuer à exister. Et nous sommes bons aussi la BWBF, Fédération mondiale du badminton, qui a donné toutes les choses importantes. Notre relation avec eux, c'est génial. La fédération est régie par leur directrice aussi. Et donc, j'ai parlé de comment notre fédération est structurée avec nos partenaires et alliés principaux. Et pour comprendre aussi, il me semble très important de remarquer ceci. Moi, j'ai mis avec mon premier sujet de discussion, c'est Shuttle Time. C'est parce que à cause de la pandémie, ou grâce à la pandémie en fait mondiale, ce Shuttle Time a été un succès absolu. Je considère Shuttle Time pour notre pays comme la fondation. La fondation qui ne sont pas assez pour pouvoir mener les sports à tous les mondes. Nous avons plus de 150 moniteurs dans toutes les écoles. Et pour notre pays, c'était comme ça parce que, quoi qu'il soit, notre sport a chopé une popularité plus grande dans tous les pays. Mais si on pense si le fait d'ajouter ce sport, c'est quelque chose d'ailleurs qu'aucun autre sport a, que j'ai vu dans notre sport, quoi qu'il soit, le foot, le basket, ou même d'aller nager aussi, la natation. Je crois que la préparation d'éducation physique, c'est important, mais ça ne mène pas à la création des athlètes. Et c'est pour ça que Shuttle Time a autant de moniteurs. C'est important d'avoir des formations et d'être capable de former encore plus ces clubs. Et je crois que dans notre structure, nous trouvons que ça se développe encore plus et plus. Mais si ça veut dire qu'on appelle les départements, dans les 14 départements que nous sommes en région, la plupart ont du badminton dans leur 16 ou 7, la moitié ont ont badminton font partie de leur curriculum cursus scolaire. Et j'ai hâte de voir quels seront les talents qui vont se développer, vont sortir de cette initiative. Nous avons environ 2000 garçons et filles distribués dans les 30 centres scolaires pour la participation de notre sport. Dans ces derniers semestres aussi, nous avons vu qu'il y a eu une augmentation de la pratique du sport dans les autres endroits. Et le sport, ça me donne beaucoup qu'il a eu beaucoup d'acceptation, surtout dans la partie orientale. Le sport toujours a été. Nous savons, en tant que fédération, tu veux toujours chercher cet espace pour conditionner le sport. Et aussi, qui à la suite peut faire la génération de création des compétitions, un championnat. Nous avons vu ceci dans nos événements, dans notre festival Shuttle Time. Il a des dextérités, des capacités dans les centres scolaires. Et
Cette année, nous avons développé, nous avons eu déjà deux tournois Showtime, surtout dans la région orientale du pays, spécifiquement Saint-Miguel. Et c'est là que nous avons eu notre dernière, avec la participation de presque 200 garçons et filles, et dans ces tournois. Je crois que c'est là et les résultats, c'est à ce niveau d'acceptation que nous avons eu tant que sport. Et aussi, selon le sport aussi, les sports, par exemple, les régis par les différentes les directrices de chaque institution. Par exemple, dans Saint-Miguel, elle fait partie des. C'est la charge du ministère de l'Éducation, et donc nous, l'Inde a un rôle secondaire dans ce cas. Et donc il y a beaucoup d'acceptation des étudiants scolaires. Et on regarde, si on regarde toutes les structures du projet, nous avons donné tous les outils nécessaires pour les aider à se bénéficier de ceci. Et alors la participation dans des événements nationaux, ceci c'est quelque chose que c'est un objectif pour nous. Toujours accompagné par une institution Mozambique pour mener notre personne au succès. Nous allons essayer de chercher une participation au-delà des Shuttle Time. Et nous avons déjà 8 centres scolaires qui ont participé. Et c'était très intéressant parce que dans l'année 2021, la catégorie comme la U11 et 13, qui c'est dans ce vraiment junior, dans les personnes, dans les médaillères, nous avons le personne qui pratiquait badminton avec Shuttle Time. Et cela nous motive à continuer à travailler pour le sport et de continuer à voir quelles sont les choses qu'on peut développer. Et donc la participation, c'était environ plus des 100 enfants. Et donc le sport va la création d'une plus grande expectation des enfants. Et c'est important, par exemple, comme on voit, par exemple, un enfant qui est en train de jouer dans un terrain adapté de jeu. Un gymnase plus adapté aux conditions. C'est là la zone un peu plus envie de jouer. Et c'est là-bas créer ces compétitions, cet esprit des compétitions ce qu'on trouve. Alors, Shuttle Time est toujours fondé sur le développement du sport dans les centres scolaires. Mais nous, tant que fédération, sommes voulu de diversifier un peu et de comprendre que le sport est inclusif. Parce que nous croyons que les talents existent dans tous les endroits. On ne sait jamais que peut-être nous trouverons très proche de nous un garçon ou une fille qui soit très doué pour le badminton. Et c'est pour ça que nous allons aussi dans tous les centres pénitentiaires aussi. Et ces photos, ces images que vous voyez ici, c'est un centre pénal aussi. On voit tous les prisonniers qui ont eu des bons comportements, qui travaillent c'est un projet que nous avons fait avec l'Institut des centres pénals aussi et l'Association du sport pour parler de ces programmes qui s'appellent Zéro Ocio, Zéro Temps à perdre aussi.
Et l'objectif, c'est de les donner de regarder s'il avait quelque chose à faire après de rester en prison. Donc le projet a eu beaucoup de succès. C'était les prototypes qui étaient lancés en 2021. Et donc, nous avons utilisé le tennis de table, le badminton. Et nous, pour le badminton, nous avons arrivé à avoir trois moniteurs de badminton dans ce centre pénal aussi. L'Espérance, aussi connue comme Mariona, grâce à ces municipalités où ils se trouvaient, où ils ont décidé de voir quels projets ils pourraient pratiquer, de tester un peu le sport. Nous avons donné l'opportunité de tester ou de faire un petit tour de sport pour voir si aimaient ou pas. Et au début, le sport, ça a pris beaucoup de développement. Bon, le leader de chaque groupe, non, mais nous avons donné l'opportunité de continuer à se développer dans la discipline choisie. Et les groupes de badminton en ce moment a eu un nombre d'environ 50 détenus, prisonniers aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé à se développer. Alors ces groupes des personnes qui ont quitté ces groupes, ils ont déjà trouvé la liberté. Et nous avons cette option de qu'ils ont déjà commencé à pratiquer le sport. Et ces projets, donc, non seulement arrivés à ces centres pénals, mais aussi à ces prisons, nous avons passé à un prison pour les mineurs, que c'est comme une ferme, on peut dire. Où nous avons des animaux aussi. Et l'avantage de ces centres scolaires, pénitentiaires, c'est que nous avons un peu plus de liberté de pratiquer du sport, pas dans des espaces qui sont trop fermés, parce que l'espace était beaucoup plus ouvert. Et maintenant, nous avons environ 50 personnes qui appartiennent à ces projets, et les projets continuent à se développer. Avec l'introduction de ces sports aussi pour les prisons pour les femmes. Ouais, ça nous donnera l'opportunité de proposer ces projets à ces centres aussi. Donc, pour parler un peu à nos différentes étapes et stages de notre fédération, si un athlète va passer peut-être grâce au Shuttle Time, il va augmenter leur niveau de badminton avec nos différents régimes de formation, entraînement. Dans les pays, nous avons trois clubs hors San Salvador. Le premier, c'est San Miguel, où nous avons, qui à un moment donné étaient les clubs avec les plus nombreux à niveau membre. Mais malheureusement, San Miguel a malheureusement perdu son installation physique parce que beaucoup des athlètes ont quitté les clubs. Mais à la fin,
meilleur parce qu'ils auront bientôt une nouvelle installation d'entraînement et cela va aider à développer encore plus les athlètes dans une installation qui sera meilleur adaptée. Et ça sera aussi en même temps mon auberge. Et surtout pour l'entraînement de leur niveau. Ce que j'aime bien de Saint-Miguel, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes juniors. Ce sont des athlètes qui sont San Salvador pour la diversité de basketball, de natation. Ils sont pas au niveau de popularité très élevé. Le fait de compétir avec ces sports a des avantages aussi. Donc, quoi que ce soit, Saint-Miguel, ces écoles où nous pouvons soutenir, alors nous savons aussi Sushi Toto. Quelque chose d'intéressant de Sushi Toto, c'est que Uriel est de Sushi Toto. Il a commencé leur entraînement à Sushi Toto. Et Juan Pablo, dans la visite qui a été faite ici, qu'on appelle les Bercy de badminton, la popularité qu'on a trouvée dans ces municipalités est si énorme que donc, comme on dit, qui est en compétition à niveau international. Et si élevé que c'était une belle expérience avec la visite qu'il a eue, tous les enfants de l'école, les demander des autographes à tous les participants de championnat, comme si c'était des superstars sportives. Comme si on était une équipe de foot très connue. Et donc, c'était le sport dans ces municipalités, quelque chose de différent. Et je crois que c'est quelque chose que vous devez voir aussi. Actuellement, Sushi Toto, comme Saint-Miguel, a au plus grand niveau des athlètes juniors, un groupe environ des 40 garçons et filles qui s'entraînent au-delà des jeux de Shuttle Time. Et je trouve qu'à chaque événement sportif que nous avons, championnat, tournoi, nous avons encore plus d'adhérents qui rejoignent nos clubs. Et ça nous fait donner beaucoup d'espoir au futur aussi de notre association. Et aussi, après, nous avons le Basco, que c'est les Toto, ils sont assez proches l'une de l'autre, mais il Basco a une particularité. Cela est que il a un groupe qui est encore, il a un plus grand nombre d'adolescents, donc donc nous avons quelques personnes de ces groupes qui font partie de l'équipe nationale. Ainsi que la participation que nous avons dans ces parties, c'est très apprécié parce que les parents font partie ils participent activement dans la vie de leurs garçons ou de leurs filles. Je crois que c'est quelque chose qui se. C'est quelque chose de plus à ajouter à notre fédération. Alors, je vais parler maintenant du groupe de l'école de haute performance. C'est que le polvorine maintenant est fermé pour le moment. Mais notre centre de haute performance. Les athlètes de la sélection, l'équipe, les pré-équipes aux pré-sélections,
Beaucoup de ces personnes sont de la Delta, habitent et proches de ces lieux. Ils sont initiés avec Shuttle Time. Et donc, cela, il s'agit de l'évolution naturelle, non? Ils ont commencé Shuttle Time et ils se sont dit, bon, je souhaite avoir quelque chose de plus, je veux continuer avec le sport. Il y a un accord, un partenariat entre l'institution et peut-être ils pratiquent le sport les samedis. Nous avons des visiteurs des autres écoles aussi qui visitent les centres de haute performance pour voir qu'est-ce que c'est le pratiquer, entraîner là-bas, ainsi qu'aider de regarder les athlètes qui sont là. Nous savons avant que les centres de performance fermés, nous avons environ 20 athlètes qui entraînaient 6 heures par semaine. Ces groupes avaient des variations. Ce qui arrive dans notre pays, c'est que quand nous savons, quand c'est l'époque, quand c'est la période des études scolaires, c'est difficile de les rassembler. Normalement, en octobre, novembre, nous voyons une augmentation de 50%. Parce que c'est un cours d'été, par exemple. Nous avons un groupe, un des intermédiaires aussi, un des intermédiaires aussi. Et nous avons un groupe des seniors aussi. Un groupe d'athlètes qui le font comme hobby ou comme pour leur santé. Et c'est très important de voir comment c'est les groupes seniors, même avec l'événement paix nationale, comment cet événement continue à se développer aussi. Surtout pour les athlètes de cet style. Et ces athlètes pratiquent 10 heures par semaine. Pour la plupart de ces athlètes, ils sont là pour l'amour, la passion pour le sport, et donc ils pratiquent bien plus de 10 heures par semaine. Et nous savons aussi, on moniteur aussi, que c'est quelque chose en plus pour notre groupe, parce que les seniors, c'est un groupe de personnes qui a beaucoup de passion pour le sport. Mais Leonardo Mendoza a été une partie de ces groupes, et maintenant il est notre umpire. C'est la personne chargée de ces. C'est notre arbitre aussi, il est pour la gestion des matchs aussi, ainsi que la formation d'arbitres et umpires nationales. Et je crois que c'est une des personnes qui aiment le plus notre sport. Au-delà de donner l'opportunité à beaucoup des adultes de pratiquer un sport qui ne représente pas beaucoup des risques, je crois qu'il donne aussi plus à la fédération avec son niveau d'engagement aussi. Non, pour tout le monde national, international. C'est quelque chose qui est toujours nécessaire pour tous ces genres d'événements. Je ne veux pas dire qu'ils travaillent gratuitement, mais c'est ces parties qui, des fois, est très difficile de trouver une personne pour céder. Et des fois, c'est difficile d'expliquer aux participants, mais. Et une dernière partie, c'est
Ici, c'est plutôt pour l'entraînement. C'est les groupes de l'équipe nationale et pré-équipe nationale. La sélection et la présélection de l'équipe. Nous avons des athlètes juniors où nous cherchons leur participation, non, avec une trajectoire internationale et la recherche de nouveaux talents. Les plus connus dans les sports qui sont en train de suivre une ligne de visualisation de la participation internationale. J'aimerais bien ajouter quelque chose à ces présélections. Tant que fédération, nous avons un accord avec une école, FESA, que c'est la fondation. FESA, ça veut dire fondation. Excusez-moi, elle dit, je l'ai oublié. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais c'est une école qui se spécialise que dans les athlètes. Donc, c'est la représentante d'un grand allié pour nos athlètes. Il propose des bourses pour les grands talents qui sont encore dans l'école, au niveau universitaire. Et aussi, ça prépare le chemin, la voie pour que les enfants, les garçons et les filles puissent étudier un diplôme universitaire, obtenir leur diplôme universitaire hors le pays, à l'étranger. Donc, c'est parti, c'est ce qui nous a aidé énormément. Et ça a donné beaucoup d'incitations aussi à les athlètes à participer. Non, il travaille 20 heures par semaine. Et je crois qu'il n'a pas. Ce n'est pas en science, ceci. C'est quelque chose qui on les gère dans tous les pays, avec toutes les différentes listes. Et donc, c'est plutôt pour toutes les municipalités. Et donc, ceci, c'est. C'est quelque chose qui. À les événements nationaux. Les événements sont par niveau. Nous avons les événements open. Et c'est toujours par niveau de jeu. Et après cela, nous avons les événements juniors. Ce n'est pas par niveau de jeu. Mais ça, donc, c'était partie de la réalisation de comment on participe à ce niveau international et aussi pour les entraîneurs de familiariser aussi à ces participations et de voir comment ça marche chaque catégorie. Après cela, nous avons deux championnats internationaux. Par exemple, ça peut être des événements en an et quelquefois, nous faisons aussi un événement par équipe, par exemple. Nous sommes centrés sur la question d'un accord et nous cherchons aussi que les athlètes se familiarisent avec la compétition. On va voir que oui, il y a une compétition, mais on cherche toujours à coexister avec des autres groupes. Nous avons les événements régionaux, vous savez que chaque association a leur propre événement où les athlètes cherchent la façon de pouvoir participer. Ils vont toujours chercher à différents événements, par exemple, nous, tant que fédération, nous essayons d'augmenter les niveaux de ces événements aussi et d'essayer d'augmenter l'engagement de ces athlètes à ces événements. C'est un bon événement aussi pour les étudiants.
C'est dirigé à la, à la population des étudiants. Non, et que chaque groupe pouvait envoyer leur représentant. Et nous avons aussi des tournois, des flash tournois, tournois éclair, Shuttle Time, où nous organisons notre différents événements afin d'augmenter leur niveau d'engagement. Littéralement, nous avons nos festivals Shuttle Time. L'objectif, c'est d'avoir un jour à loisir et d'aider aux échanges entre nos athlètes. La projection internationale, c'est pour la participation à différents événements panaméricains. Récemment, nous n'avons pas eu beaucoup de participations des équipes, mais nous essayons de créer une synergie entre les événements et notre équipe nationale. Ceci a aussi donné l'opportunité à nos athlètes de participer dans les différents événements internationaux de la région et qu'on prenne en compte que les budgets sont assez limités. On prend cela en compte au-delà de tous les processus pour obtenir la visa, les passeports, les projets internationaux. On cherche toujours que les garçons et les filles ont l'opportunité de participer à l'étranger. Et précisément, si nous, des fois, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous essayons de que encore plus d'athlètes ont des expériences à l'international et qu'ils ont l'expérience de pouvoir participer dans les différents événements internationaux. C'est pour ça que nous serons la quatrième Salvador International et on verra comment est-ce que ça va. Je crois que maintenant nous allons passer en deuxième partie de la présentation et j'ai parlé déjà du poisson de la fédération. Et j'aimerais bien parler de nos objectifs et ce que nous souhaitons faire, mais on va parler un peu sur le futur de la fédération dans ce monde de badminton. Surtout si on voit que donc le premier projet que nous avons pour notre développement, c'est le Air Badminton. Alors, les badminton, c'est une modalité que nous, tant que fédération, nous voyons que ça peut profiter énormément ici au El Salvador. Le climat de Salvador est parfait. Bon, et la plante de cet endroit est bien adaptée pour leur badminton. Bon, même s'il fait chaud ici, il y a des personnes qui disent non, ce n'est pas que c'est chaud, c'est frais. Mais je crois que les badminton, néanmoins, c'est quelque chose dont on peut profiter. Et surtout qu'El Salvador, comme nous sommes un pays assez petit et la capitale, nous pouvons aller à la plage en 30 minutes et nous avons des belles plages aussi. Oh, le sable est magnifique et parfait, bien adapté pour ce style de jeu. Et donc, pour profiter bien de ces modalités, c'est très attirant aussi pour les sportifs. Nous voulons profiter dans la mesure possible. Cette image que vous voyez ici, l'image en bas, à droite, vous pouvez remarquer José Armando Bruni, que c'est notre président, qui est en train de faire le service d'honneur pour le premier tournoi d'Air Badminton que nous avons fait en 2021. Et le tournoi a été plutôt un tournoi d'amitié. Entre les groupes intermédiaires, les athlètes même de la sélection de l'équipe nationale qui ont participé. Non, c'était 3 contre 3, 5 contre 5. Même les arbitres ont une petite formation en notion de comment être l'arbitre de ce type d'événement, d'être clair pour toutes les règles. Et donc, la fédération, si on de participer dans ces ressources naturelles, non, avec la disponibilité des jeunes qui est bien adaptée selon les conditions que nous avons disponibles,
à nous adapter à ces nouvelles modalités de jeu. Même nous avons le soutien du ministère d'éducation pour l'introduire dans les cursus des quatre écoles. Non, ils ont même reçu un kit et un badminton pour commencer à introduire ce sport. Nous voyons comment les moniteurs ont commencé à faire cet événement à la plage, bien sûr. Et aussi de commencer à établir ces précédents de la pratique de ce sport. Aussi, nous avons ces guides techniques. Apparemment, badminton ball représente dans les jeux de Marie Claire aussi. Et on est en train de. On verra, mais on essaie de voir si Isa Bédor pourra participer à ces tournois aussi. Mais ce sont nos visions, nos projections que nous sommes en train d'analyser maintenant. Et donc, ça, c'est au-delà du projet de développement, c'est aussi d'introduire ces styles aussi. Comme j'ai mentionné, les projets d'une équipe nationale, sélection Open. Vous voyez, c'est un groupe qui a changé, évolué tous les peu un peu. Ce sont des personnes qui ont vieilli, ont grandi, des personnes qui sont plus âgées que les autres. Des personnes qui ont été plus années des autres. Et notre objectif, c'est de trouver cette équipe. Nous avons une spécialisation des athlètes pour le double, pour le single, de créer une équipe dans la fédération pour faire l'introduction des événements panaméricains et olympiques. Et je crois que l'objectif principal, c'est les Jeux centra-américains aussi. Donc, tant que fédération, nous sommes en train essayons de faire ceci, pas forcément nous marier avec ces personnes, mais de créer peut-être un cercle olympique. C'est bon qu'il a des épreuves et des erreurs, il a eu des obstacles que nous avons surmontés. Mais ce que nous voulons, c'est d'avoir ces compétitions. Non, de créer ce développement aussi, que ces personnes peuvent développer, créer leur propre carrière et trouver leur propre ranking aussi. Au-delà de ça aussi, nous avons tous les projets que Paname peut faire pour l'entraînement en local. Et je crois que maintenant, je vais faire un petit avant-garde de ce que nous allons faire. Nous allons participer dans les Jeux centra-américains et qui arrivent. Et je crois que nous aurons plus grande disponibilité des terrains et d'espace. Et donc, je crois que ceci va créer l'opportunité d'implémenter de nouvelles outils pour le développement du sport. Et je crois que c'est là, c'est basé sur ça. Et comme nous savons, bientôt notre centre de performance, ça nous permettra de trouver ces talents et d'avoir un développement plan pour le sport. Et d'avoir une école spécialisée pour le sport. Et surtout avec tous ces stimulus sportifs que nous sommes en train de donner. Et que chaque sportif, chaque jeune sportif trouve la motivation
Ceci, c'est comme je disais, pour la captation des talents juniors. Ou en pensant que sont, ou ce que nous considérons que seront les classifications appropriées. J'espère que nous trouverons les bonnes catégories, les bonnes classifications, que il s'agira de ces changements nationaux qui nous aidera à nous engager avec le sport. Et je crois que ça, c'est une grande partie de ce que nous allons faire. Moi, j'avais dit déjà la création de centres de performance. Actuellement, nous, en tant que fédération, nous sommes des nomades. Il nous manque d'installations, d'entraînement. Ce sont partie de nos projets. Et la création d'un gymnase a fait à la taille de nos besoins. Et aussi, en ligne avec la directrice de la BWF, nous avons beaucoup d'espoir que ceci marquera le début de l'avant et après de notre statut en badminton ainsi que le développement du sport. Cela va nous aider à avoir un impact encore plus médiatique où nous pourrons prendre encore plus de décisions à ce que nous savions avant. Nous allons penser au national, même si Paname nous dit, par exemple, nous souhaitons mener les athlètes à El Salvador pour venir, oui, sans aucun souci, sans travailler, ou travailler 3 à 4 fois qu'avant, et de proposer quelqu'un connu pour le développement et l'entraînement de ces athlètes. Donc, ceci c'est une alternative à avoir, et même les centres des autres performances en interne à Saint-Miguel, on est en train d'adapter ceci aussi. Ceci est un peu plus retardé parce que pour nous, la priorité c'est les jeux centra-américains. Mais ça ne change pas notre motivation de compléter ces projets. Parce qu'on a beaucoup d'athlètes à cette tranche d'âge, donc ça nous intéresse beaucoup. Alors, les objectifs que nous voulons achever, notre objectif, c'est de classifier pour les Jeux mondiaux de badminton. Cette année, ce n'est pas possible, mais on attend que les prochaines années, nous arriverons à avoir présence là-bas. Après, nous allons participer aussi dans les Jeux centra-américaines de Caraïbes et Salvador 2023. Bien sûr, nous serons les hôtes pour ceci. Je crois que c'est ceci que le Salvador a besoin. C'est une belle opportunité pour. C'est vrai que c'est important d'avoir des ressources, et pas toutes les fédérations ont ce genre de ressources. Mais le travail que nous avons fait, néanmoins, c'est quelque chose qui est toujours centré sur améliorer l'option que nous avons pour continuer à développer le sport dans notre pays, selon nos moyens. Et ça nous aide aussi à montrer à nos garçons, à nos filles, que
que nous pouvons achever nos objectifs avec beaucoup de travail et motivation. Et donc, quoi qu'il soit, c'est un défi et nous sommes toujours à la taille pour réussir. Et je crois que les Jeux 2024 sera notre plus grand challenge à ces dates. Et je suis sûr que nos athlètes pourront réussir. C'est notre grand objectif et c'est quelque chose d'important pour nous. Alors, si on prend en compte les Jeux centra-américains qui arrivent, nous sommes les Jeux panaméricains aussi, les Jeux olympiques, mais pour les Jeux panaméricains de Santiago 2023, nous, tant que fédération, nous essayons toujours d'aller à l'étape suivante après que nous sommes arrivés à un objectif. Notre premier objectif sera la participation des trois garçons, trois filles de participer dans ces jeux. C'est un grand défi. Surtout si on voit quel est le positionnement des athlètes dans les autres pays. Et si on prend en compte ceci, je crois que ça sera quelque chose qui sera très difficile peut-être, mais je suis sûr que nous allons arriver. Et nous avons mentionné aussi que nous souhaitons à nous positionner encore plus. Et aussi, non seulement nous aider à nous placer bien à niveau mondial, mais sinon à niveau de ces régions aussi. Ainsi que la participation dans les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous cherchons les projets d'Uriel et participer dans ces Jeux Olympiques, ce serait quelque chose de génial. Alors, excusez-moi, mais il nous reste 30 secondes pour conclure. Donc, s'il vous plaît. Oui, je crois que j'ai parlé de tout, alors je vais le faire assez rapidement. Et si c'était la première fois que Herman arrivait à El Salvador, avec toutes les conditions qui s'étaient développées pour ce sport, et bon, mentionner surtout les Jeux Olympiques, la communication des erreurs et les choses améliorées. Et bien sûr, nous avons des problèmes économiques, des problèmes de badminton, et je crois que nous avons aussi des différents défis à surmonter. Et je crois que tant que pays, nous avons été laissés à côté à niveau de notre développement. Et je crois que c'est à nous de nous rattraper. Alors, j'aimerais bien, c'est important d'avoir Auriel, mais j'aimerais bien avoir 3-4 athlètes à son niveau aussi. Je crois que c'est quelque chose que nous pouvons encore faire. Et pour les objectifs, c'est le futur que nous avons à la fédération avec ces projets. C'est un autre objectif que nous avons, c'est d'avoir un athlète clé au principal. Nous avons un présent et un futur avec Uriel. Et je crois que ceci, c'était quelque chose d'important. Et je crois que cela a aidé aussi à donner plus de popularité à notre sport. Et notre objectif aussi, c'est être les modèles que plusieurs athlètes ont besoin. Et donc, tant que fédération, nous essayons de faire ça avec Olivier. Merci. Merci beaucoup de partager tout cela. Et à la fédération pour
achèvement important aussi. Donc, merci beaucoup. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Et j'espère qu'on se verra bientôt. Mais merci. C'était mon honneur d'être ici. Et j'espère que ceci était quelque chose d'enrichissant pour quelqu'un ici présent d'utiliser les connaissances que j'ai partagées aujourd'hui pour le développement de le sport. À notre famille de badminton, nous vous invitons à notre prochain programme avec le sujet gestion de coups de tennis dans le sport des raquettes, une session de littérature qui sera transmise mardi prochain à 15h, le 1er novembre, à 15h, heure de Lima, avec la présence du docteur Martin Falsrom. Au nom de la Confédération panaméricaine de badminton, nous vous remercions de votre participation et j'espère que ceci était de votre plaisir. Gardez-vous en bonne santé et à bientôt.